c'est bien. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Moumini Sanogo. Je suis étudiant en 6e année de médecine. Je suis le coordinateur de la grande famille de l'Assemblée des secouristes et des réformateurs. Une association à but non lucratif, c'est à la faculté, qui rassemble les étudiants, comme on le dit, et secoue les étudiants qui sont dans les besoins et la réformation aussi. Voilà. Oui. Oui. Bon, en réalité, c'est un système qui est là. Ça fait de cela à peu près, si je me souviens bien, à peu près 4 ans comme ça, que nous sommes confrontés à ces problèmes. C'est-à-dire, les étudiants, d'ailleurs, nous sommes à peu près avec 3000 étudiants en première année de médecine. Si vous constatez bien le tableau bas ici, ce ne sont que 500 bancs pour 3000 étudiants. Donc vous trouvez que c'est un véritable problème. Et s'il faudrait que chaque étudiant vienne le matin pour s'asseoir, vous allez voir qu'à peu près 2500 restent dehors. Et pour pallier à ces problèmes, l'administration a essayé de mettre un système en place, c'est-à-dire les diviser en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Même avec cela aussi, on se retrouve avec 1500 personnes dans chaque groupe. Donc pour 500 places, encore 1500 étudiants, les étudiants sont obligés de venir occuper les places depuis la nuit. C'est ce qui fait que les étudiants sont là. Et nous aussi, les anciens, nous sommes là en train de les tenir compagnie. Et là, vous voyez la salle, elle est un peu désertée parce que ça fait à peu près quelques jours que les gens ont fait la rentrée. Donc pour pouvoir réserver une place, il te faudra passer la nuit à peu près 3 fois ou 4 fois comme ça. C'est un peu ça la situation. Bon, face à cela, c'est un véritable problème. La seule solution que moi je vois, c'est de encore s'investir sur le plan infrastructurel. Si réellement ils ne peuvent pas limiter le nombre d'inscrits, parce que c'est très important. Et vous voyez, à peu près avec 3000 encore, c'est 400 qui passent. Donc c'est un véritable problème. Si toutefois ils peuvent voir à leur côté, puisqu'il y a les universités privées de la médecine qui sont en bas, que les professeurs ont essayé de mettre en place, c'est un nouveau système, on ne sait pas trop, qui fait que les étudiants sont retenus ici et il y a les fiches des risques qui échouent ici parfois et qui partent s'inscrire là-bas. Là-bas, le nombre est limité. Par contre, ici, le nombre n'est pas limité. Donc, ce que moi je peux proposer, c'est que l'État peut essayer de voir si toutefois il y a une solution de construction de nouveaux amphithéâtres, comme ça se passe dans les universités. Voilà. Franchement, à vrai dire, moi personnellement, à la place de ces jeunes, je dirais que c'est impossible si je vous montre un peu le programme. Même si c'est partagé en groupe A et groupe B. Les jeunes viennent ici, je me souviens bien, à la veille de la rentrée, les jeunes sont venus occuper la salle depuis 16h. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, de 16h à 8h du matin, pour réserver une place. Donc, les professeurs viennent généralement à 8h. Et ils donnent cours de 8h jusqu'à 16h. Vous constatez avec moi que les jeunes vont faire 24 heures sur les talbans, uniquement pour étudier. Donc c'est un véritable problème. Moi je trouve que c'est très pénible. Et une fois à la sortie aussi, à 16h, il y a des cours privés qui se font ailleurs, en dehors de la faculté. Et généralement c'est 4h, 2h comme ça. Et c'est pour se retrouver à la maison à partir de 20h. 20h, le deuxième groupe rentre et ça se trouve que ceux-là aussi ont réservé la place depuis 16h. Et ça devient un véritable problème parce que les anciens sont déjà en cours. Nous on prend cours ici. Donc ça veut dire que si eux sortent à 16h, les anciens rentrent de 16h, parfois à 20h, etc. Ce qui veut dire que réellement ils ne peuvent plus préserver de place. Et c'est très pénible pour eux, même s'ils sont en train de laisser 24h. Parce que le premier groupe prend cours le lundi, le deuxième groupe le mardi. Le premier groupe encore revient le mercredi, et etc. Donc 3 fois par semaine. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir mes très chers camarades. La présentation étant un signe de respect d'adresse envers ses semblables, permettez-moi de vous dire que je réponds à l'identité rare. Je me nomme Mahamadou Sogodogo, étudiant actuellement en première année de médecine.
Oui. Depuis quelques jours, oui. Vous avez remarqué que les étudiants dorment à l'école. Selon vous, c'est dû à quoi cette situation? Effectivement, c'est le cas. Dormir dans les classes, bon, je peux dire, c'est juste pour garder nos places en fait. Puisque quand tu ne dors pas dans l'amphi ici, si tu ailles à la maison, le matin, venu, tu viendras trouver que la salle est pleine. Et là, tu es obligé de t'arrêter derrière. Souvent même derrière est pleine. Tu peux venir ici dans les fenêtres, essayer de suivre les cours d'une manière que toi-même tu puisses suivre quoi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est à cause de ça que nous dormons dans l'amphi. C'est juste pour garder nos places. C'est une réalité très douloureuse, mais quand même qu'on le subisse. Ouais. Rien. Ils nous disent rien. Ils nous laissent dormir dans l'amphi. Ils n'ont pas de solution pour cet acte méprisant. Est-ce que tu comprends? Qu'avez-vous à dire à l'administration de vos autorités? Bon, moi en tant que tel, ce que je peux affirmer, ce que je peux leur dire, c'est que le numerus clausus, eux-mêmes ils savent. C'est une année fatigante de courage, de dévouement. Donc, s'ils peuvent nous aider à arrêter cette pratique qui n'est vraiment pas bonne pour notre bonne étude. Tu vois, donc vraiment, ils doivent chercher une solution à ça, quoi, pour que ça s'arrête. Puisque eux-mêmes savent, le numéro, c'est quelque chose. Déjà, on est tous ici, mais nul ne sait si je vais passer ou pas. Parmi 3000 et quelques étudiants, on va choisir seulement que 470. C'est vraiment frappant. Donc, ils doivent chercher une solution à ça. On ne peut pas continuer à cette condition-là. Il doit changer le système, quoi, vraiment, selon moi. Dormir assis dans la classe et étudier, est-ce possible? Non, c'est pas possible. Sauf si tu dis à un camarade de garder ta place et tu peux aller dormir juste 2 heures comme ça et puis revenir. Même là, le cours étant 6 heures à 8 heures, c'est très difficile de tenir à tous ces cours-là. Souvent, vraiment, c'est impossible. C'est impossible. Tous ceux qui le font, ils savent, eux-mêmes ils savent. Soit ils mettent des chaînes à des tables de banc. Tu vois, ouais, ils mettent des chaînes à des tables de banc et puis, je sais pas comment dire, bloquer de telle sorte que personne ne puisse l'ouvrir, quoi. Et puis, il peut aller à la maison, dormir, et tôt le matin, 5 heures, ils reviennent pour gagner leur place. Sinon, dormir dans l'amphi et puis le lendemain suivre le cours, c'est impossible. De rien. Bon, bonsoir à tous. Moi, c'est mademoiselle Zeynab Ousmane Maïga. Je fais la première année de médecine. Oui. Bon, ça a commencé depuis le mercredi. Ça a commencé depuis le mercredi, comme le groupe a été divisé, la classe a été divisée en 2 groupes. Donc le deuxième groupe est venu depuis le mercredi pour garder leur place. Donc nous-mêmes aussi, on a gardé ici depuis dimanche, depuis 10h du matin jusqu'à 0h30, sont partis coucher. Et puis on est revenu 5h du matin comme ça. Depuis ce jour-là, nous sommes ici à garder de la place pour les cours du matin. Bon, l'administration, bon, actuellement, ils ne disent rien car ils ne peuvent rien faire maintenant. Avec le nombre qui sont ici, nous sommes trop nombreux. Ils ont fait de leur mieux, ils ont divisé la classe en 2 groupes juste pour avoir de la classe ici. Comme vous le voyez, les petites tables sont ici pour augmenter de la place. Mais ils ne peuvent rien faire, c'est qu'une seule amphithéâtre pour la première année de médecine. Bon, à l'administration, ce que nous pouvons dire, c'est que de diminuer le nombre d'inscriptions chaque année. Parce que chaque année, les étudiants viennent ici, s'inscrivent ici. Tous ceux qui ont leur bac en TSE, en expérimental, veulent venir faire la médecine ou bien la pharmacie. Donc, ils viennent tous ici. Donc, on voudrait juste qu'ils demandent de diminuer le taux d'inscription et tout ça. Ou bien, s'ils peuvent aussi construire un nouveau amphithéâtre ici, ça nous ferait des bons aussi.
bon, pas probablement, c'est pas possible, mais on fait de notre mieux, car on s'échange entre le groupe 2 et le groupe 1, on s'échange, on se force à faire. Nous, nous sommes ici pour étudier, donc on est un peu obligé de dormir ici, de passer la journée ici, à garder de la place. Merci à vous. Bonsoir. Je suis Moussa Diallo, étudiant en première année de la faculté de médecine. Oui. Bon, cela est dû au fait qu'il n'y a pas trop de place. Bon, d'abord de 1, les tables de banc ne sont pas en bon état. Ça, c'est la première cause. Bon, la deuxième cause, c'est quoi? Le fait qu'il y a trop de monde à la faculté de médecine en ce moment. Depuis déjà 3 ou 4 ans, on enregistre près de 3 000 étudiants. Bon, cette année, ça risquerait d'aller au-delà. Et les autorités, moi je pense que les autorités devraient, le nombre de candidats qui prennent, ils devraient diminuer le nombre de candidats qu'ils prennent. Puisque le fait qu'ils prennent beaucoup de gens, ça nous diminue la place. Bon, ça diminue la place, donc on est obligé de dormir pour garder une place pour nous, afin de bien suivre les cours convenablement. Pardon? Bon, à force de revendiquer cela, on n'a pas assez eu de réponses, malheureusement. Bon, ce que j'ai à dire à l'administration d'abord, c'est de diminuer le nombre de candidats qu'ils prennent chaque année. De donner un nombre concret de candidats. Bien sûr, l'administration est au courant du nombre de places qui se trouvent à la faculté de médecine en première année. À travers cela, moi je suggère qu'il devait prendre le nombre en fonction des places qu'il y a à la faculté de médecine, puisque tout le monde ne bénéficie pas. Parfois, on se rend compte que certains restent debout, derrière, ainsi de suite. Pendant qu'on est en train de faire cours, il y a près de 100 personnes qui restent debout, qui n'ont pas de place. Et moi, je vois que ce n'est pas logique. Bon, c'est tout ce que j'ai à lancer aussi aux autorités ainsi qu'aux membres de l'administration. Bon, c'est pas possible. Même, bon, je prends mon exemple. Même avant-hier, j'ai dormi ici, rien qu'avant-hier. Et durant la journée, vraiment, j'avais les maux de tête. Et j'avais un sommeil. Mon frère que voici même, il est allé dormir, il est allé se coucher aux environs de 14h. Alors il a séché un cours. Vous voyez, il a séché un cours. Donc, c'est compliqué. Le fait qu'on vienne dormir dans la classe, bon, c'est vraiment... C'est inhumain le fait de dormir dans la classe. Et on se rend compte que si on ne fait pas cela, on ne trouvera pas de place. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Okay.